Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, pour la séance extraordinaire du mercredi 20 janvier à 19h30. Ouverture de la séance et déclaration d'intérêt, le refus de l'avis de convocation, avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-378 concernant le contrôle intérimaire, à item 4, contrat pour modification réglementaire en urbanisme et item 5, appel d'offres, acquisition d'un nouveau véhicule d'autopompe pour le service incendie. Et item 6, levée de la séance. Alors, pour débuter, j'accepterai le refus de l'avis de convocation vu qu'on a rajouté des items à l'ordre du jour depuis l'avis de convocation que vous avez reçu. Vous êtes tous en accord de refuser l'avis de convocation? Oui. 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 Alors, Oui. ouverture de la séance. Item 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-378 concernant le contrôle intérimaire. Alors, vous avez reçu toute l'information concernant l'avis de motion. L'avis de motion est par la présente donné par qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente décrétant un contrôle intérimaire relatif à la gestion des nouvelles constructions et des opérations cadastrales à l'intérieur du périmètre urbain, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le conseiller ou la conseillère dépose une copie du projet de règlement 21-378 décrétant un contrôle intérimaire relatif à la gestion des nouvelles constructions et des opérations cadastrales à l'intérieur du périmètre urbain. Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public. Alors, j'accepterai une résolution si vous êtes en accord avec ça. J'accepterai l'avis de motion si vous êtes en accord avec ce projet de règlement. Qui donne l'avis de Oui. motion? Alors, je vois que Stéphane a levé la main. Ça va? Nous allons aller à l'item suivant. Alors, l'item numéro 4, contrat pour modification réglementaire en urbanisme. Également, vous avez reçu toute l'information concernant le contrat pour modification et je vais vous le lire. Considérant que la municipalité Saint-Alexandre a adopté une résolution de contrôle intérimaire lors de la séance du 16 novembre 2020, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a effectué une réflexion concernant les enjeux de redéveloppement urbain, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre entend effectuer des modifications réglementaires de ses règlements d'urbanisme, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre nécessite une ressource afin de l'aider dans la rédaction des différents règlements, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une lettre de service de M. Philippe Meunier afin de l'assister dans le processus de modification réglementaire, il serait proposé et appuyé et unanimement résolu d'accepter l'offre de service de M. Philippe Meunier au montant de 2 040 $ plus les taxes applicables. Si vous êtes en accord avec ceci, j'accepterai une résolution. Qui en fait la résolution? Marie-Ève est appuyée par Yves. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui? Oui. Oui. Ça va? Ça va? Monsieur le maire, Question, allez-y. oui, le premier considérant pense que ce serait dans l'ordre d'ajouter après séance ces séances extraordinaires du 16 novembre. Vous en prenez note, Monsieur Marc-Antoine. Juste pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Oui. Merci. Item suivant, item numéro 5, appel d'offres. Acquisition d'un nouveau véhicule autopompe pour le service incendie. Alors, vous avez, vous voulez le projet de résolution. Il serait proposé, appuyé et unanimement résolu que le directeur général et secrétaire trésorier Marc-Antoine Lefebvre procèdent au lancement de l'appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres SEAO et dans le journal Constructo pour l'acquisition d'un nouveau véhicule autopompe pour le service incendie selon le devis préparé par M. Benoît Brodeur, directeur du service de sécurité incendie en date du mois de janvier 2021. De nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et secrétaire trésorier,
personne responsable de l'octroi du contrat selon le règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Alors, si vous êtes en accord avec ceci, concernant l'appel d'offres, j'accepterai une proposition et un appuyable. Qui en fait la proposition? Jean-François? Vous avez levé la main. Et qui appuie? Qui appuie? Ça prend un appuyeur. Florent? Et tout le monde, vous êtes en accord avec ce projet de l'acquisition du véhicule? Oui. Oui. L'appel d'offres. J'ai juste une question, peut-être. Le devis, en principe, a-t-il été préparé seulement par Benoît ou si la personne qu'on a mandatée à notre dernière séance a contribué aussi là-dedans? Ou? C'est Benoît qui l'a préparé, mais il a été révisé par le consultant qu'on a demandé. OK. Il fallait passer à travers. C'est basé également sur le modèle qu'il a reçu du consultant. OK. Fait que c'est pas nécessaire de mettre le nom du consultant là, à ce moment-là comme personne qui ont préparé le devis, là. Non, parce que c'est vraiment Benoît qui l'a préparé au final à l'aide de modèle. Bon, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant différents points qui concernent l'ordre du jour? Alors, il n'y a pas de questions. Nous en sommes rendus à la levée de la séance. J'accepterai une résolution pour la levée de la séance. Bernard va la lever. Jean-François et Bernard l'appuient. C'est bien ça. Je vous remercie beaucoup. Alors,